Good morning, diaspora. Bienvenido, welcome et bienvenue tout le monde. L'enchaud pour la show préférée, l'enchaud matinal, ça que NDL New Diaspora Live TV and Radio mettez sous pied pour que capable informer vous et surtout divertir vous de tout ça qui vient comme actualité à travers diaspora. Surtout, non pas c'est Miguelito Jérôme, pas oublier que ou même ou gain possibilité pour partager et puis rejoindre Good Morning Diaspora Nation. Aujourd'hui, c'est pratiquement 1er janvier. Et c'est le nouvel an et pratiquement tout côté à travers le monde, tout le monde a souhaité l'autre monde bonne fête d'année, bonne année, bonne et heureuse année. Et ou même qu'à ce moment-là déjà, et de la part de NDL staff, de tout groupe NDL là, ensemble entier, que ce soit radio, en télé et tout l'autre monde qui gagne, en dans boîte si là, et bien a souhaité ou même yon heureuse année 2024 pour que au moins on puisse passer une année qui est vraiment fructueuse avec un pile santé et prospérité. En plus de la nouvelle année, c'est à la fois pour nous-mêmes haïtiens fête de l'indépendance et fête de l'indépendance en voulait dire un pile bagaille pour nous-mêmes haïtiens parce que c'est date ça que nous-mêmes haïtiens nous vienne grand monde tête nous et surtout journée jeudi hein, à chaque fois nous l'an 1er janvier nous toujours faire un jour pour que nous marquer date ça avec soupe jour moi qui c'est soupe ça que yoté qu'on interdit nos bois mais nous-mêmes les nous venons indépendants nous choisi boel chaque 1er janvier vous nous disons nous grand monde nous et que nous cabrons sur nos jeunes voulez donc je dis c'est premier sorti nous pour ce maintenant premier sorti nous pour année pratiquement Good Morning Diaspora et déjà m'a salué tout le monde qui branché un peu partout à travers le monde dans en Haïti ou l'autre bout de l'eau et je dis on a parlé de 10 top 10 nouvelles qui gagnent qui a fait actualité ou a gagné possibilité pour vivre ça ensemble avec nous aujourd'hui hein. Ça nous gagne déjà coûte nous encore nous gagnons eh bien la leçon du jour qui seront l'autre rubrique que nous ajouter avec en partenariat avec New Diaspora School NDS qui lui-même bail possibilité pour que ou même ou capable apprendre ensemble avec nous puisque lorsqu'on rejoint nous dans la diaspora ou du moins souvenir pas voir ici eh bien il y a un tas de formations que vous êtes capable suivre pour qu'on commence à travailler pour qu'on gagne profession et comment se fait l'argent bien rapide. En plus de ça, on a bien professeur compas Yvon Joseph qui rejoint nous dans l'équipe ça Good Morning Diaspora qui bail une rubrique qui présente une rubrique qui permet que ou même on capable vivre yon artiste ou du moins yon jazz apprendre connaît jazz ça puis bien ou du moins yon artiste qui t'existé et aujourd'hui on a pour nous parler de Zouzoul dans Skacha qui en plus monde qui te connaît Zouzoul capable connaît plus d'informations sur Zouzoul ou du moins découvrir qu'est-ce qui artiste ça pas oublier pour soi NDL, et citation nous pour aujourd'hui, hein, et en tout cas, pour démarrer l'année, hein, il parle autre que ça, que me déposer déjà sur réel moins sur YouTube. Si toutefois vous pouvez suivre nous sur YouTube avec Facebook, allez faire ça kounya pour que ou même ou pas rater un rien dans chaud aujourd'hui parce que aujourd'hui hein, n'a pas non seulement pour nous partager en pile d'informations, mais n'a pas pour nous partager astuces qui permettent que ou même cap sur moi là, capable faire $100 américains la caillou avec téléphone ou du moins ordinateur. So restez branché guys parce que grand pile bagaille que nous partager avec vous la Good Morning Diaspora et c'est comme ça chaque matin avec NDL. Eh bien, citation non, première citation non pour nouvelle année, hein, il parle autre que ça, qui Zig Ziglar, lui-même déposté. Eh bien, il dit comme ça, vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez dans la vie si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Donc, si vous aidez plus de monde, si vous connaissez qui ça a besoin, et vous aidez plus de plus monde jeune, ça a besoin, hein, ça a voulu. Eh bien, on a une possibilité pour vous-même pour faire plus de succès et que vous-même pour joindre ce qu'on a besoin. Donc, si c'est l'argent qu'on a besoin, eh bien, aidez les gens à joindre plus l'argent ou du moins offrir au service une façon pour que vous-même vous capable de faire plus de scope, faire plus de succès. Je vais vous exemple Facebook, Google et YouTube qui ont même une possibilité pour que les gens capable partager online et joindre des amis, discuter et puis chatter quoi. Mais tout ça, vous faites gratis ou pas faire gratis, eh bien, toute plateforme ça on vous cite là eux-même c'est pigo plateforme qui est dans le monde et c'est me citer Grant Cardone tout qui toujours dit your network is your net worth donc en d'autres termes réseau ou network ou monde qu'on connaît c'est lui-même qui définit qui quantité l'argent qui quantité valeur qu'on gagne économiquement parce que c'est entourage ou c'est monde qu'on connaît qui pratiquement qui permettre que vous mettez l'argent en d'autres termes l'argent par l'autre côté que l'empoche en l'autre monde sur l'argent chercher make sure que vous-même vous compte qui est pour cibler pour target pour que au moins on fait l'argent. Donc bien rapide. Et tout de suite après ça, on a démarré avec Nandatsa, qui c'est rubrique que Ariel Joseph a présenté nous. Côté que la vie pour parler nous de qui sa journée aujourd'hui a représenté dans l'éphémérique du jour avec Good Morning Diaspora. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui,
plongeons ensemble dans l'histoire captivante du 1er janvier, une date qui a été le témoin de nombreux événements marquants à travers le siècle. Restez avec nous pour découvrir comment cette journée a laissé son empreinte sur le monde que nous connaissons aujourd'hui. Commençons par remonter le temps jusqu'à 45 avant Jésus-Christ, lorsque l'introduction du calendrier julien a marqué le début du nouvel an au 1er janvier. Cette décision a eu un impact significatif sur la manière dont les civilisations organisaient leur temps. Au 16e siècle, le 1er janvier devient une date cruciale pour la France, marquant le jour où François Ier accède au trône. Un tournant majeur dans l'histoire du pays. Passons ensuite au 1er janvier 1804, une journée mémorable pour Haïti qui a conquis son indépendance vis-à-vis de la France, devenant ainsi la première nation noire indépendante du monde. Le 1er janvier est également le théâtre de célébrations et commémorations diverses telles que la journée de l'indépendance à Brunei, le jour de la Constitution en Italie et la fête de la Vierge Marie de l'Église catholique. Passons maintenant au 19e siècle. En 1801, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et le Royaume d'Irlande se sont unis pour former le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, entamant désormais le 20e siècle et le 21e siècle. Des événements tels que l'indépendance du Soudan, la formation de l'Union européenne et l'adoption de l'euro en 2002 ont laissé leur empreinte sur le 1er janvier. Parlons des personnes nées en 1er janvier. Des personnalités historiques comme le pape Alexandre VI, Hank Williams et J.D. Salinger sont nés en 1er janvier. Cette date a vu naître des écrivains, des musiciens, des politiciens et bien d'autres figures qui ont marqué notre monde. Enfin, prenons un moment pour nous souvenir des personnes qui nous ont quittés en 1er janvier. Des personnalités telles que Helen Wells Moody et plus récemment David Stern, anciens commissaires de la NBA, ont marqué cette journée par leurs réalisations et contributions. En conclusion, c'est tout pour notre exploration du 1er janvier à travers l'histoire. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage temporel. N'oubliez pas surtout de partager vos propres traditions du Nouvel An dans les commentaires et de vous abonner pour plus de vidéos historiques. Merci de nous avoir rejoints et à la prochaine! On va poursuivre avec top 10 nouvelles qui ont même dominé l'actualité un peu partout dans la diaspora et ou même avoir des possibilités pour suivre ensemble avec nous, prêter en pile attention dans top 10 nouvelles. Ça sont condensés de l'actualité que nous faisons dans seulement 10 minutes côté que nous présentons 10 actualités. Top 10 news avec Good Morning Diaspora. La nouvelle aujourd'hui, on a démarré puis près la caille dans frontière dominicaine côté que 3 haïtiens joignent arrestation yo suite à essai que t'a essayé passer dans frontière avec 10 000 cartouches et c'est ça que Diario Libre relaté la news lio et a fait qu'on est que monsieur Sao t'a essayé passer du côté de Ansapit tout près Pédénal et lorsque il a fait check-up dans machine yo dans machine yo t'a transporté et ben cartouche ça yo et bien il était arrivé mettre main sur yo et la police haïtienne et ben arrêté monsieur Zamzayo qui yo même tapé essayer passer sous frontière avec 10 000 cartouches. C'est ça que nous connaît en pile fois moun qu'on a demandé qui gens cartouche faire rentrer dans pays qui dans zam faire rentrer dans pays hein et ben yon pi bon régulation yon pi bon et bien voyager cap fait dans frontière hein, capable interdit ou du moins empêcher moun rentrer avec zam avec cartouche dans pays d'Haïti. De l'autre côté, toujours en Haïti, il y a un pile pile qu'a fait par rapport avec force kenyanyo qui yo même qui déjà annoncé cap bien pour rentrer en Haïti à partir de février 2024 ça cap venir là. Et c'est une décision ou du moins son nouvelle qui divisait et bien plus pifou haïtien puis dans différents secteurs là et la vie nationale là parce que yo estimé que Haïti a son dossier que nous sommes capables de gérer pour contre nous, et bien pour que ça nous oblige à gagner une autre force et Kenyan qui envahit le pays ici là. Donc de jour en jour, gang Ameo a gagné terrain dans la capitale là, et même j'avais dans la ville province surtout, parce qu'il y a une pile province qui commençait à gagner un pile plein,
Le gouvernement haïtien pendant longtemps a demandé intervention ONU et a auprès de plusieurs forces internationales. Et je vous dis, hein, Kenya, c'est premier force qui a même décidé pour les capables de rentrer dans le pays. Donc, le gouvernement kenyan a exigé une disponibilité de fonds de près de 220 millions d'euros pour que les mêmes soient capables de fouler le sol là. Haïtien à partir du 26 janvier et cap vini là. Donc, l'autre nouvelle que nous avons bien rapide, c'est au niveau de BESAP. Parce que nous connaissons Brigade Sahara qui te fait parler en pile de lit. Pendant question, mais canal pas campé hein, au niveau de canal qui sépare les frontières dominicaines avec Haïtien. Et bien, il y a une pile tension par rapport avec le gouvernement et BESAP lui-même. Je ne le dis pas. Et bien, Mounsayo, avec le gouvernement, t'as assemblé. Il y a une spéculation qui a dit qu'on veut révoquer Jean-Tel Joseph, qui est chef BESAP là. Et bien, BESAP ANAP avec l'autre membre en dedans entité si là, ça qui suscitait en pile inquiétude. Il y a pile vidéo qui a circulé sur internet là, qui a dit que brigade là pas prêt pour déposer les armes du tout, et s'il le faut, n'est pas prêt même pour passer à révolution, parce que par question de Jean-Tel Joseph quitter ben entité si là, il y a pas prendre ça la main gouvernement. Donc l'autre nouvelle que nous bien rapide, c'est au niveau de l'international et du côté de Nicaragua. Et bien nous remarquons que je dis un gros note qui sortit côté une répression qu'a faite auprès de l'église catholique au Nicaragua. Il y a 14 prêtres catholiques qui ont arrêté en 2 semaines, et nous connaissons que président Saa, qui est censé président dictateur au niveau de en Nicaragua, qui montait pouvoir depuis 2007 pratiquement, lié en conflit direct avec l'église catholique. Et ça qui fait un pile par un pile au niveau de Nicaragua. Et nous connaissons que Pape François, Pape Jean, qui dit ça passer comme ça, il a sorti un autre qui prouvait que yo inquiété par rapport avec situation c'est là, et demandé pour que ben nous-mêmes nous capables joignions une solution plus rapide, mais surtout s'il le faut même exiler plutôt que la prison. C'est ça que le pape lui-même avec le conseil Lio a discuté ou soit décidé. Au niveau de l'international, encore une fois, nous gagnons. Eh bien, du côté de nous gagnons au niveau de Japon. Eh bien, le Japon lui-même qui a connu une série de séismes, de tremblements de terre. Eh bien, un jour, ça y est, qui se passe là. Et les États-Unis lui-même, comme d'habitude, bien entendu, lui-même est prêt pour que li bay tout aide li. Il faut qu'on ait que dans le moment on a parlé hein, des séismes qui allaient près à 7.5, même j'ai senti frapper nous la caillou. Eh bien, près de 21 séismes déjà frappé et le Japon. Eh bien, nous connaissons le Japon qui toujours a une réputation sous affaire séismes, tremblement de terre. Eh bien, je vous dis, hein, li frappé pendant le 1er janvier là en pile froid, et déjà gagné 4 monde que yo confirmé qui mouri le tremblement de terre ça yo qui passait du côté du Japon. Le troupe et plusieurs troupes américaines, et ben troupes américaines touyé rebelle ni qui t'a tiré sur un bateau cargo dans la mer Rouge là. Donc la mer pays États-Unis fait qu'on est troupe li yo l'ouvri zam sur un groupe rebelle ni après ont attaqué un bateau cargo dans zone la mer Rouge là. Plusieurs rebelles mourir dans sa militaire américain ont considéré tant qu'un conflit maritime qui lié à la guerre Gaza. La guerre Gaza que nous connaissons qu'à faire. Puis parler de lui, dans zone ça, commandant central États-Unis dit Matlo qui a bon bateau de guerre USS Gavle descend deux missiles balistiques anti-bateau qui rebelle ont tiré sur bateau Maes Hangzhoua à ta samedi. Bateau ça a flotté drapeau pays Singapour. Force navale États-Unis dit gen 4 petits bateaux qui t'ai attaqué même bateau cargo ça avec zam bonnet dimanche, et puis rebelle t'ai essayé monter à bord bateau. Donc on est américain pas jouer des pour attaquer la main maman. Et bien métier journaliste c'est pas jamais métier qui t'est facile pour l'année 2023 qui sont passé là. Et ben nous gagnons 120 journalistes que yo nommé qui déterminé qui assassiné dans le monde là. C'est ça que FIJ, qui c'est Fédération Internationale des Journalistes, lui-même li bay à partir de statistiques ça que sorti qu'il dit qui très alarmante, et que li dit situation ça li vinn pi critique à partir de guerre Gaza qui existait là moment on a parlé là. Donc nous connaissons que métier journaliste c'est pas jamais un métier facile, c'est un gars. Et en Europe, 3 journalistes mourent pendant 2023. Parmi eux, un Français qui mourit, un Ukrainien qui mourit, un Russe qui mourit. Et nous connaissons que en pile de journalistes, ils ont toujours
aller prendre information plus près que possible pour capable gagner bon genre d'information pour que yo pas bay moun anana pour ça. Après ça nous gagnons au niveau de l'autre actualité, nous gagnons premier ministre de facto Ariel Henry lui-même qui dit l'année 2024 est une année de grands défis. Et c'est pratiquement un bref message diffusé dimanche soir, ce passé-là. Eh bien, Ariel Henry présentait vœux liés à un peu haïtien hein, pour l'année 2024. Là. Il dit l'année 2024 là, sont année de grands défis que nous supposons lever ensemble. Eh bien, c'est ça que l'étape dit lorsque l'étape essaie de bailler mes compatriotes haïtiens. Plus fierté l'an. Journée indépendance. Là. Donc, il parlait de rétablir la sécurité, renouer avec une croissance génératrice d'emplois pour qu'il soit capable de créer job dans le pays, c'est là, et puis organiser surtout élections inclusives, transparentes et démocratiques, entre autres. Ariel Henry tout dit convaincu que l'élection a permis permettre le peuple a choisi le monde qui peut représenter lui pour compléter différentes institutions qui a souffri depuis longtemps. Donc, au niveau de Port-au-Prince, climat et sécurité, hein, pas jamais suspendre, continuer, eh bien, bail problème. Et nous remarquons pendant le nouvel an, eh bien, lié important pour que vous-même, vous preniez la rire avec un peu de prudence, parce que nous pas voulons pour que vous-même, vous allez marcher raconter. Donc, pendant la période ça, nous voyons que touristes, pas aller en Haïti pendant un peu de temps, il y a un peu de manager hôtel qui obligé fermer hôtel, parce que vous remarquez une baisse considérable. Pendant saison fête là, nous connaissons sa saison fête qu'on voulait dire Haïti, mais pendant période nouvelle là à nouvel an, pas vraiment grand pile monde qui visitait Haïti et ça qui fait un pile secteur souffri en Haïti. Au niveau de Gonaïve, il y a transféré commissaire principal là Philippe Juste parce que réalisé que li pa bay assez résultats. Donc en raison de manque de résultats, il y a transféré voilà et commissaire principal là et au niveau de Gonaïve qui c'est Philippe Juste. C'est ça que direction générale PNH là, lui-même fait qu'on est. Donc transfert ça, il nous avait dit encore, il y a une situation qui est très critique que population hein, lui-même a plongé droit sous eh ben commissaire Sila. Donc commissaire Juste lui-même qui a été transféré parce que vous remarquez que la situation n'a pas changé au niveau de Gonaïve. La population locale là a critiqué eh ben vivement l'ancien responsable là, la police Gonaïve là parce que lui-même li anti-crasse Wagner l'agent li fonctionnait. À titre d'exemple, il y a un gang ça qui c'est Corat sans race qui lui-même a tué moun, a kidnappé moun, a violé moun en toute impunité et pas gain rien qui fait. Donc il est convaincu que eh ben responsable yo, yo gon complice avec criminel c'est là, criminel Corat sans race là. Voilà, c'est ça que nous te gagnons dans Jacout nous pour aujourd'hui hein, dans cadre nouvelle 10 nouvelles en 10 minutes sur Good Morning Diaspora de NDL New Diaspora Live. Eh bien, tout de suite après météo, nous connaissons ce moment ça que mathématicien paysan Wilson Wilson qui était ensemble avec moi là ben la nouvelle là, bay possibilité pour que lui présente plus information sur sport hein, parce que nous connaissons que actualité sport très important ben, généralement moi-même de jour dis ça c'est pas mathématicien Wilson eh bien non pas d'apprendre un peu le bagage la question sport tout et pas m'inviter ou même suivre avec un peu d'attention les actualités sportives avec Wilson Wilson. Est-ce qu'on est UEFA menacé exclu Barcelone pour 3 ans dans la Ligue des Champions? Bien, ben m'explique. FC Barcelone dans 4-5 dernières années là, son club qui a une crise financière très grave, il y a sûrement. Surtout avec des transferts nous capables de qualifier de crabe, transfert scandaleux. Transfert donc pour Philippe Coutinho que Barcelone t'a presque acheté 160 millions, Antoine Griezmann 130 millions, Dembélé 120 millions pour ne citer ça seulement, avec salaire Messi qui t'a presque avoisiné 1 milliard sur 4 saisons. Donc toute dépense ça yo nous capables de venir mettre Barcelone en situation qui est très compliquée et nous capables de remarquer surtout après Corona. Barcelone t'a fait demande avec quelques joueurs comme Gérard Piqué, Busquets, Alba, joueurs nous capables de quitter cadre dans l'équipe là pour te réduire dans salaire yo parce que club là pas de cas supporter masse salariale. Et bien Barcelone sous une enquête actuellement et Barcelone sous menace de exclusion pendant 3 ans dans Ligue des Champions. Qui ça l'est? Fair play financier UEFA lui-même lui définit que revenu total club là sous une saison, lui supposé basé sur revenu club là dans activité sportive club là entreprendre. Donc on va parler de vente
vente de billets, nous capable de vente de maillots et ainsi de suite l'autre activité tant pour abonnement fanatique que doit prendre avec club là. Revenu net club là sous saison, il supposé basé sous activité sportive club là. Donc mesure ça yo aider l'autre club qui pas gain grand moyen, ça empêcher club yo prendre l'autre fond dehors pour capable injecter dans caisse club là parce que le grand club tant pour PSG qui gain nèg gazio d'EL que ce soit Manchester City ou du moins Barcelone qui gain doit faire même approche là tout. Donc nèg ça nous capable dire gain l'argent illimité. Les gens ça li pas fair play, li pas équilibrer championnat par rapport avec l'autre équipe. Dans rapport FC Barcelone bay, yo gon rentré net de 304 millions sous saison 2022 ya. Donc nous capable dire budget ça recette ça FC Barcelone bay là li pas lié avec recette sportif club là pendant saison 2022-2023. Et n'a pas rappelé que FC Barcelone qui était déjà sanctionné dans l'été passé ya, surtout avec erreur qui te gagné dans rapport yo te soumettre sous recette yo pour saison. Rapport était incorrect. Donc l'UEFA a sanctionné FC Barcelone pour un montant de 500 000 euros. Donc là, on l'autre fois encore, UEFA sous deux FC Barcelone et on menace d'exclusion. Pour nous rappeler, c'est pas la première fois que club pour Barcelone, Real Madrid, PSG sous Jean de Casa, mais nous pas jamais ouais sanction yo appliqué vrai. Donc n'attend mais nous pas ces fois ça car ça quand il gens différent parce que FC Barcelone et Real Madrid c'est un grand leader pour projet Super League là, donc qui pral du coup concurrencer Ligue des Champions. Est-ce que ça pas un prétexte pour l'UEFA trouver un message? On suit le dossier à de près, mais enquête la faite, donc n'attend résultat yo. Et merci parce que vous continuez suivre nous, abonnez, partagez avec les amis. À la prochaine pour la prochaine vidéo. Merci confrère moi Wilson Vincent, merci en pile est-ce que vous me présenter mon yo rubrique sport ça parce que nous je connais que en pile froid en pile information qu'a partager sur réseau compte pas bon mais sous bonne bonne diaspora nous make sure que nous même nous vérifier toute information avant même que nous même nous poster yo et nous parler de ça et pas oublier faut nous payer payer bill yo n'a gain pour nous passer de 3 puis c'était bien rapide. Puis salier sponsor nous qui rendent plus émission ça possible. Et pas oublier tout de suite après n'abgué pour nous parler de musique là de info compas n'abgué tout pour nous présenter qui gens ou même capable de faire $100 américains la caillou que ce soit Haïti que ce soit l'autre bord de l'eau sur téléphone ou avec ordinateur ou et c'est un rubrique que nous inviter ou même nous suivre ensemble avec nous qui est le daily cash qui permet que ou même ou faire un petit chocho pendant que ou même ou la caillou ah l'aime dit chocho li ka vini au plus belle cob li ka vini en pile cob c'est toutefois ou même ou stick to it et pas oublier tout tout de suite après pause n'a gagné pour nous parler de leçon du jour là côté que jodi n'a gagné pour nous parler de l'immigration américaine en façon que ou même ou capable compte qui ça qui immigration américaine là. Et c'est un rubrique qui présenté par New Diaspora School NDS. On prend la pause. Plusieurs formations disponibles là on a parlé là et avec et nous Diaspora School, New Diaspora School qui sont une école professionnelle qui rentre sur marché qui a offert des formations professionnelles, formations que ou même qui rentre aux États-Unis capable apprendre très rapide parler anglais, utiliser ordinateur, capable faire des différents travaux techniques que ce soit sur construction, que ce soit sur plomberie, que ce soit sur électricité et capable tout faire taxes, capable faire immigration, capable tout démarrer propre business pour ici aux États-Unis. Donc New Diaspora School c'est l'école ça que vous pouvez suivre. Capable informer ou informer sur tout sur toute ça qui a rien avec éducation et puis nous gagne Tivice dans Columbus tout le 27 janvier 2024 cap jouer et Columbus c'est une production de FJ Production qui lui-même a gagné Skyman comme DJ cap là c'est dans 3569 Refuge Road Columbus Ohio que lui-même il a fait quelques activités ça venu à America tout lui-même retourné d'emblée avec service sous taxe avec immigration ou même qui sont immigrants qui ont toutes difficulté avec service taxe ou du moins service immigration ou du moins si qu'il y a quelques questions sur traduction notariat etc ben ouais avec venu à America pour que on soit capable de joindre service que on cherche yo. Ben nous gain prime residences de fois ou même ou gain kay ou besoin acheter kay ou besoin louer kay ou fait vini boy site là ou besoin capable de joindre un côté pour habiter ou du moins un kay que tu as envie acheter ou du moins un kay qui sont bon deal et même avec monsieur prime residences pour que ou même yo capable gérer question kay ça pour vous. Alors c'était tout pour question publicité hein? Merci d'être toujours resté à suivre NDL New Diaspora Live TV and Radio. Et je dis, hein, pas oublier que vous sous
NDL, que ce soit sur Facebook ou soit sur YouTube, pas oublier partager et surtout abonner si tu fais beaucoup de faire ça. Et émission ça, c'est Good Morning Jasper avec Miguelito Jérôme. Et tout de suite après, on va vous parler de leçon du jour. Là, je vous dis que nous avons fait un râler sur l'immigration américaine pour que vous-même capable de connaître qui ça, l'immigration américaine. Là, et chaque jour, on a fait que nous venons avec une leçon qui est différente pour vous. Une leçon que nous puisons de qu'aucune chaîne package ça que. Avec nous diaspora school gain les gens sont regardés dans la publicité qui gain plusieurs formations qui disponibles que vous capable suivre depuis la caillou sur téléphone ou du même sur ordinateur ou sans que ou même on va pas être tout problème donc c'est tout faut pour partager ces moments ça à cause supposé partager parce que nous pour le vider connaissance ou donc restez branchés. Hello tout le monde et merci de ce que vous rejoignez nous sur la chaîne encore une fois et je dis à nous pratiquement après ensemble qui ça qui US Immigration là nous parler de système immigration ici aux États-Unis qui ça veut dire et qui ça quelqu'un la donne que au moins on t'a supposé qu'on est si tu sous compter voyager venir boy ici ou du moins si toutefois ou même déjà pas boy ici aux États-Unis qui ça veut dire et qui ça gagne la donne. Donc tout d'abord on nous garder base immigration en soi. Ce processus d'immigration ici aux États-Unis divisé en deux parties, c'est-à-dire c'est soit sont immigrants ou du moins ce sont non-immigrants. Et deux thèmes avec ces moments importants pour comprendre parce que assez souvent on porte confusion. Sur visa immigrant yo, yo généralement relé yo carte verte ou du moins green card, c'est résidence que li automatiquement ou vignon immigrant. Mais si toutefois ou est que papier nan mon son papier temporaire que lié et même ou style dans ça nous relé un statut non-immigrant et son statut temporaire que lié les comme ça. Donc tout d'abord on regarder dans question visa immigrant yo qui différents types de visa qui gagne. Donc li important pour que ou mettez dans tête une fois que nous parlons de immigrant donc son monde qui déjà capable vinn vivre États-Unis et tout simplement gagne origine de un pays extérieur les États-Unis mais li même li résider pratiquement aux États-Unis, gagne un green card, gagne une carte verte. Et pour nous parler de carte verte, gagne carte verte qui basé sur famille, c'est-à-dire son famille qui fait application qui pour permettre que moun sa rentrer, gagne green card tout qui basé sur emploi, sur travail que moun capable joindre et gagne l'autre monde tout qui jeune green card à travers yon bagaille yon aide humanitaire par exemple. Et gagne l'autre green card tout qu'on capable joindre à partir de loterie ça yo qui assez souvent fait dans plusieurs pays qui pas gagne forte demande de visa. Yo meton loterie pour moun capable joindre green card pour moun capable joindre résidence. En plus de ça, nous gagne l'autre type de green card que moun capable joindre par exemple moun qui fait asile yo qui té long statut qui temporaire et mais son statut qui pi devant dépendamment de gens yo évalué qui souvent yo capable toujours mettre où l'an yon statut immigrant les ça ou vinn gagne un green card à partir de asile ou. Maintenant, nous regardons ensemble visa et ou du moins green card qu'on capable joindre sous base emploi, sous base travail. Donc type de visa ça yo men yo commencer par EB, ou ap joindre EB1, EB2, EB3, EB4, EB5 de tout ça yo, c'est différent de programme qu'on capable joindre sous base emploi mais EB5 là ou soit EB5 là, c'est un visa ou du moins une green card je préfère le comme ça que yo accordé surtout avec investisseurs. En d'autres termes, gen un pile moun une fois que ou gen l'argent la mon ou gen bon petit chocho et mon capable appliquer pour que ou même ou vinn gon un green card aux États-Unis. On dit par exemple, ou vive Haïti, ou vive la Chine, ou vive en France et pour gagner $500,000 jusqu'à $1,000,000 et mais ou gen possibilité pour que ou di américain ou vinn faire investissement par boy ici et ou vinn créer job pour américain dans pays ici aux États-Unis et mais y a accordé ou yon EB5 qui c'est pratiquement yon green card que lié et à partir de ça capable gagner yon résidence pour ou même avec toute famille pour venir vivre ici aux États-Unis. Nous te parler de green card humanitaire tout que ou même si sont réfugiés ou sont monde qui gagne asile ou du ça veut dire yo approuvé asile ou ça veut dire asile ou en passé li bon ou capable gagner green card sur base ça tout. Là tout mais même green card humanitaire là ou joindre pour monde qui dans trafic humain, qui victime de trafic humain ou du moins de abus sexuel ou du moins de crime, et ben tout monde ça yo éligible pour que yo même yo joindre yon green card ici aux États-Unis. Gagne pile l'autre monde tout dans certains cas si toutefois on fait partie de communauté LGBT hein, et qu'on subit des crimes si toutefois ou c'est un gay ou subit des crimes dans le pays qu'on doit vivre là et mon capable vient demander pratiquement pour jouer une green card là ici aux États-Unis. Nous t'ai parlé tout de loterie hein? Et ben loterie gagne environ 50 000 monde qui gagne la loterie ça chaque année pour capable gagner un green card rentrer aux États-Unis. Mais malheureusement en pile pays ça yo c'est des pays côté qui pas gagne forte demande de visa
pour moun et pour venir aux États-Unis, ou bien des pays qui plus ou moins confortable, mais malheureusement pas gagné Haïti dans liste moun, dans liste pays qui capable participer dans loterie si là. Après ça nous gagnons gagne moun qui t'est gagné accordé avec ça nous relé un long time resident green card qui c'est pratiquement un green card qui était bail tout moun, c'est ça, c'était dans période 72 bail ça par la mode encore, il va parler de ça. Green card là généralement pour l'appliquer pour lui dépendamment de qui et méthode qu'on utilise ou du moins par qui coule loi qu'on utilise pour entrer, il y a toujours font background check pour, il y a toujours font examen médical pour, il y a toujours à le vérifier pour le travail ou travail famille pour garder pour un record ou qui ça qu'on fait qui est-ce côté participer dans zac malhonnête. Donc tout ça c'est ça qui fait l'important pour vous-même ou toujours rester droite l'ange l'état pas bon ici. Eh bien, $1,760, c'est coût ça que pratiquement l'environ que ça coûte pour si toutefois ou même aux États-Unis ou voulez pratiquement appliquer pour ou même capable gagner green card là, ou du moins si toutefois en Haïti ou soit l'autre côté, il y a environ $1,400. Mais si c'est le green card qui est basé sur emploi, eh bien, application coûte environ $1,225 environ. Mais pour employeur lui-même pour travail qui fait application pour vous, hein, et bien travail ça a arrivé payer jusqu'à $10,000 américains pour que lui-même lui fait dossier là avancer en dedans système. Fond du tout que généralement dépendamment de qui côté koyé, dépendamment de qui couloir qu'on utilise pour que vous-même ou vini États-Unis, li capable yon visa immigrant ou soit non immigrant et n'a pas rappelé que pour non immigrant eux-mêmes ou gien awe yon moun ki en Haïti et ben qui font application yon visa pour que li rentre ici aux États-Unis, ça c'est un visa non immigrant. Et l'en visa non immigrant gien plusieurs autres catégories toujours. Par exemple, nous gien catégorie qui gien awe avec visa touriste ou gien visa touriste côté que moun nan capable dire OK, la vienne faire touriste ici aux États-Unis, et bien li gien visa type B1 ou soit B2. Et si c'est business que la vienne faire, et ben là ça la on B1 visa B1. Il y a un autre type de visa qui existe toujours. Par exemple, il y a un visa qui gagne away avec moun ka vinn prend traitement médical ici aux États-Unis ou du moins ka vinn étudier aux États-Unis. Et tout ça eux fait partie de catégorie de ça nous relé visa non pour non immigrant. Et il est très important pour que nous-mêmes nous te fait différence pour entre non immigrant et immigrant qui assez souvent lorsque moun a parlé, yo konn assez souvent confondre deux thèmes ça yo. Alors on a répété pour non immigrant, c'est toutefois ou même ou grand permis qui ba ou accès pour vivre dans pays et fonctionner sur une base temporaire, et nous parler de immigrant lorsque ou même ou déjà établi dans pays ou gen bon papier dans main ou pour que ou même ou vive comme un résident ici aux États-Unis, les ça sont immigrants. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On va voir dans l'autre épisode. Merci de ce qu'on suit la rubrique NDS là, côté que nous parlait de plusieurs. Nous partageons plus l'information sur ça qui est avec immigration américaine, mais tout de suite après. Mais je dis, j'aime annoncer ça, n'a salué Yvon, professeur Yvon, professeur Compa qui est déjà avec nous là. Eh bien, qui a pour parler nous aujourd'hui de bien Zouzoul de Skacha, et qui c'est un artiste qui récemment tombé. Là qui veut nous parler nous de on tikas de Skacha tout très bientôt, mais Yvon, professeur Yvon a bien pour lui faire ça avec nous chaque jour côté que l'a présenté nous yon rubrique la Compa avant même que lui-même il commencer. Eh bien, émission Lilan Radio qui c'est 10h pour midi sous NDL New Diaspora Live. Donc, je dis que nous apprenons et nous râler calper nous pour nous prendre note avec professeur Yvon qui va le déposer compas sur nous. Professeur, plateau à vous. Téléspectateurs, téléspectatrices NDL TV, jeudi là, nous avons le privilège pour nous présenter une étoile, un jeune garçon qui a commencé dans la musique dans les années 50-60. C'était plus précisément en 60-70, il a pas émergé parce que c'est un monde qui est venu sous terre. C'était le 8 août 1945, nous parlons là de chanteur ça qui à peine tombé là, nous parlons de Jean-Michel Saint-Victor alias Zouzoul qui c'est une pièce maîtresse d'un membre qui était commencé avec Skacha Number 1, pas oublier Zouzoul, il était commencé carrière là à l'église bien entendu, et côté que jeune petit garçon il était commencé chanter dans chorale l'église à Bethel, pas oublier tout les et très doué tout dans affaires
dans moment là qui c'est directrice l'école Sainte Trinité. On parlait de Sainte Trinité comme ça veut dire pour pays d'Haïti monde qui fait solfège. Eh bien nous t'a pas gagné Zouzoul qui t'a pas commencé dans un jazz quartier qui est les phonétiques qui lui même tout c'est l'âme j'ai t'a pas commencé pas oublier Zouzoul t'es qu'on a fréquenté un point t'es qu'on a fréquenté El Rancho et puis il t'a pas après départ gros bébé pas oublier t'es gain deux chanteurs gros bébé c'est une là-dedans là des chanteurs ça yo et ben après équipe ça te finalé gros bébé te fin quitter jazz là et ben yo te jugé bon pour yo te faire rentrer Zouzoul comme un jeune garçon et ben qui t'a évolué dans ligne là et ben Zouzoul t'a pas venir faire apparition avec jazz ça qui les chlechle pas oublier chlechle son jazz qui te gagné un canadien qui les Dada Diakaman qui t'a géré jazz ça et puis jazz ça dans les années du pour arriver 70 jazz a t'a émergé et puis monsieur t'a pas venir un contrat avec un promoteur pour rentrer aux États-Unis et bien jazz a t'a pas craser les jazz a craser t'a pas gagner 4 monde qui t'a pas rentrer en Haïti tourner pour y aller faire chlechle d'Haïti dans 4 monde ça te tourner Zouzoul c'est une là-dedans et puis t'a gagner Dada Diakaman qui était là et puis t'a gagner type de Pétionville qui te fait voyage là avec Chlechle, et bien c'est trois mounsa qui te rentré accompagné Zouzoul et c'est là nous t'apprends le joindre Skacha qui lui même tout et non l'autre bon en 70 monsieur t'apprends dissout net et monsieur t'apprends vin rentré avec un mouvement Skacha et bien c'est là après Chlechle, t'apprends vin gagne deux Chlechle, t'apprends vin un Chlechle de New York et avec qui était campé au même et puis tu as pas gagné chlechle et d'Haïti avec comme chanteur et puis Zouzoul t'a pas vinn intégrer Skacha et c'est là nous t'a pas joindre Zouzoul qui t'a pas commencer émerger avec une série de très belles non il était gagné et Jean-Michel Saint-Victor comme lead vocal il était gagné Paul alias Zouzoul que tout le monde était baptisé de musique de la musique haïtienne il t'a pas gagné Rodi Gauthier alias Tikrane t'a pas gagné Ivan Palvin remplacé par Rampono comme batteur et puis c'est là jazz là t'a pas gagné comme guitariste et soliste Joseph Mario Ayala un guitariste qui mal qui ça fait un ça est pas avec Lavlanet alias Coco et ben toute équipe ça a été mobilisée pour tal fait groupe ça qui baptisé Skacha Nombon et c'est là Zouzoul qui lui même tout et pas oublier Zouzoul pas capoua mais à cause de papa monsieur qui était un colonel un officier donc capable dire dans l'armée d'Haïti et ben maman Zouzoul t'a pas la coucher et ben non ville ça qui c'est ville cap haïtien dans l'hôpital du seigneur du cap haïtien et c'est là Zouzoul t'a pral héritier et ben appartenance à capoisa et ben c'est ça qui fait autant de compte de tout le monde à parler monde qui compte dans musique yo il a dit que Zouzoul fait au une famille vraie au cap mais pas monsieur qui était dans l'armée ou connaît le monde dans l'armée il toujours voyo à droite à gauche et bien c'est là mais monsieur Tapral maman monsieur Tapral enceinte et puis il t'a pas à la coucher lui dans l'hôpital Justinien dans au cap haïtien Zouzoul bons amis monsieur c'était nous content de parler tout de un ancien homme qui est le Leslie Center et c'est un dans bons amis monsieur tout qui était qu'on fait sacré les banjoa pour un groupe qui est les morts durs et par la suite nous avons joué Zouzoul tout pas oublier Zouzoul pas seulement un musicien Zouzoul c'est étudier comptabilité Zouzoul fait électronique et rêve Zouzoul à il était capable un gros aviateur mais rêve la pas marché nous connaît et c'est pas seulement Zouzoul en pile musicien l'on prend l'autre Fabrice Ouzier, l'autre d'autres artistes encore, ils ont gagné profession, l'autre profession, mais quand on est des musiques là, ils ont gros force. Profession ça, l'autre Keke Belizère, c'est par la suite, nous allons connaître Keke Belizère.
qui ville que l'était. Eh bien, Abdou Ke Zouzoul, lui fait un pile bagay, et après, lui vient dans ce cacha, lui t'a pas chanté musique qui est le main numéro 1, son musique qui nous capable de dire qui fait un pile bruit dans l'échiquier musical là. Et ouais monsieur tout dans les années 80 avec album Forever côté monsieur Tabal chante une belle musique qui est les qui parlait de pays d'Haïti. Et ben Zouzoul lui fait en pile bagaille forme de que Zouzoul c'est lui-même qui était gagné monopole Skacha monsieur qui était censé administrateur jazz là tout c'est ça qui fait l'ordi Skacha au capable dit Zouzoul jouer un gros dans ce cacha. Pas oublier Zouzoul lui-même c'était 1945 il était fait Jean-Noël Abdoula dans l'hôpital du Calvin mettez musique haïtienne dans nos niveaux, mettez sacré les chanteurs et youn nan bagage de respecter c'est sacré les dictation et Zouzoul formé et qui lui même tout Jean Doula là qui à l'école qui fait classe li et qui apprend et forme de que Zouzoul il était quoi dans sacré les chanteurs dans sacré les yon monde qui campait devant jazz et ben qui pas banalisé et qu'on pas direct là mais qui était plus quoi et pour faire l'école dans affaires musique. Jean Zouzoul était qu'on performer devant jazz et tout le monde était qu'on dit que bagaille dans mille et Zouzoul fait en pile expérience et voyager et il était gagné monopole tout pour gérer formation musicale ça et bien journée jeudi en là c'est Zouzoul que n'a parlé qui t'a pral et bien lui même tout vinn tombé malade nous connaissons Zouzoul te fait sucre Zouzoul fait à peu près presque 2 ans il pas en fonction Zouzoul t'a pral vinn faire sucre il était obligé amputer dans pied il t'a pral perdu 2 ans et forme de que ça te bail et parents du moins sa maman et du moins sa madame Zouzoul a pile problème et par la suite nous t'appelle une joindre ben Zouzoul qui t'appelle tomber et c'est dans optique ça jeudi à nous préparer et entrevue ça reportage ça pour nous prouver que nous-mêmes dans télé NDL nous venons faire l'autre bagaille et nous capable dire faut qu'on suive télévision ça qui paraît là dans Sprint bien pour porter tout éclaircissement concernant sacré les compas direct là Zouzoul et gain pile moun tout en pile animateur en pile moun qui dans radio ou du moins dans télévision yo toujours ignoré et séparation Zouzoul avait lié et après séparation ça gain pile moun qui ont ti jambe lié mais Zouzoul était séparé quand même avec Jazzla qui t'a l'elle séparé avec Skacha ou qu'on était que problème divergence entre Jazzla musicien pas obligé former une autre formation musicale mais qui est après baptisé Bazooka et c'est là tout nous, en dans Bazooka nous t'a joindre des jeunes musiciens là pour exemple quoi Michel Blaise qui t'a émergé Michel Blaise et c'est un gros batteur et ou du moins un percussionniste qui t'a fait une carrière avec un système band non seulement Michel Blaise c'est un percussionniste mais pas oublier tout monsieur son chanteur et c'est dans l'optique ça nous présenter au gros garçon ça qui t'a pral étoile ça qui t'a pral filé et ben c'était qui était 2023 et ben Zouzoul nous et ben c'était à 11 Zouzoul t'a pral quitter et ben monde musical ça femme que jeudi là c'est yon avant pour n'a ba ou au niveau de NDL télé et ben son émission n'a gagné chaque semaine pour parler de compas direct là pas oublier Jean Abdoulan Nemo Jean créé compas direct là il était dans la trentaine c'était 26 juillet 1955 l'ensemble Nemo Jean-Baptiste il était commencé le 28 juillet 1955 dans c'est là qu'on pas dire que là t'es présenté on a dit merci ou même qui t'a pas suivre moi toujours inviter tout le monde et bien poster des questions ou du moins si toutefois ou même ou gagne un bail qui pas clair dans ça nous dit là yo ou du moins son bail ouais ou soit attendez
et bien on pas clair sous lui, et bien c'est toujours là NDL pour que ou même ou voyez eh bien là commentaire hein, pour qu'on dit OK mais qui ça poser question yo dit qui ça qu'on trouve qui pas clair ou du moins qui ça qu'on tendait dans l'arrière qu'on a bien mais que l'on connaît son rumeur et je dis on a présenté pratiquement 5 questions que fidèles auditeurs et téléspectateurs de yo même yo publié ou soit voyez ba nous soit par message direct ou café ça tout même je dis hein voyez ba nous par soit message direct ou du moins la commentaire pour que nous même nous capable répondre question ça so, 5 questions je dis hein très rapide avant même qu'on commence si maille connaissance qui pour permettre que vous même vous faire l'argent $100 la caillou so, serait branché. Dans la série questions réponses jeudi hein nous gain Mona qui voyait pratiquement une lettre pour nous Mona de New Jersey qui voyait dit nous si toutefois mari moi gain custody Timounio est-ce que moi même madame là m'a gain pour me payer child support et Mona depuis New Jersey merci de ce que vous voyez question ça pour nous et nous trouver que c'est une question qui pertinente ça fait nous mettre li dans émission jeudi hein. Donc tout d'abord Mona faut connait que child support là li capable aller dans n'importe sens. Donc n'importe qui parent yo que c'est maman ou soit mari hein et papa capable gagner child support. Maintenant généralement j'en pense là en pile fille qu'on pense que ou pas capable tomber dans child support mais il y a pile critère qui ca fait n'importe dans nous tomber dans child support. Mais généralement tribunal là pas gagne un choix que le fait qui allait toujours dans seul sens mais assez souvent c'est toujours moun qui pa gagne garde di moun là qui gagne qui connait recevoir child support là qui connait pour payer child support donc dans sens ça si ou même moun a ti moun nan pa l'en main ou c'est l'en main pa pal que lié donc en ce sens ou ka toujours attendre si toutefois le fait requête là li solliciter li capable gagner ben fait ou même forcer ou payer child support pour ti moun si la moun a. OK donc on va finir droit c'est pas. Là va passer dans l'autre question, nous gagnons Jonas depuis Indiana qui voyait mandé nous et s'il vous plaît Miguel, est-ce qu'on fait précision pour moi entre alors c'est ta différence Jonas, c'est pas précision, c'est différence. Est-ce qu'on fait différence entre une licence qui suspended avec lorsque les revoked. Bon, moi c'est que nous gagnons pratiquement plusieurs vidéos qu'on a fait sur question driving. Pour capable améliorer bien skills moun yo en question conduite ici et deux ça yo très différent et Jonas donc généralement lorsque yon licence li suspended nous dit que c'est lorsque yon retiré privilège pour que ou même ou conduit pendant une période de temps donc c'est ça me dit li moins grave OK par rapport avec revoke là donc pendant une période de temps après ça ou même capable tant de temps ça passer et puis après ou reinstate ou réappliquer yo capable peut-être demander pour tourner l'école repasser riding test là et puis pour capable tourner gagner driver license mais lorsque li revoked les sal pi grave Jonas parce que à ce moment ou pas gain possibilité pour conduire du tout et les ça ou capable pratiquement chez un chauffeur pour conduire pour parce que et ou pas gain droit conduire du tout les consar yo banni ou dans affaire conduire dans pays ici toutefois gain quelques states qui gain un petit bémol tant Illinois Tennessee West Virginia pour citer ça seulement qui yo même bail possibilité pour que capable reinstate donc garder avec state côté hein Indiana m'pas fin connait qui gain Indiana est trop bien la question driver license pour garder pour est-ce que si toutefois ou même ou carré en state s'il revoked de vérifier billet pour est-ce que c'est suspended et document l'a dit ou du moins si c'est revoked si c'est revoked yo ka bloqué net et si pas bloqué net au moins font 5 ans ont 1 an à 5 ans chita avant capable tourner l'école pour que gagne licence donc dernière question nous aujourd'hui hein, c'est Marie depuis Ohio et Marie stamp salut Marie voulait dire nous lui même est-ce que TPS lien li même la expiré la même date avec tout par l'autre monde yo et c'est pas la différence bon bah c'est Marie nous parlait de ça déjà plusieurs fois m'a salué tout d'abord mais nous toujours dit TPS yo pas gagné date d'expiration qui différent une fois que ou même t'es inscrit en bas même registre là si c'est l'an dernier TPS là que y est là par exemple ou a fini pratiquement la même date avec tout monde à la one badé. Voilà, c'était tout pour les questions. Pas oublier, ou capable toujours
eh bien, écris-nous dans les commentaires avec un message privé pour que nous-mêmes nous capables d'aider et éclaircir sur plusieurs points que avec questions qu'on est capable de gagner. Et une fois que la question est pertinente et nous juger que nous sommes capables de discuter de ça en public, eh bien, la passe li sous channel là. On va se que tout le monde est capable de connaître et apprendre ensemble avec nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On apprend dans l'autre série de questions. Et comme annoncé, et m'bap fait trop parler en pile, nous t'es pour mettre Daily Cash. Hein? Daily Cash, it's a Daily Cash. Et son nouveau rubrique qui permet que vous-même, vous capable de faire l'argent directement à travers nous-mêmes. Ou du moins, c'est un mosolisage, un mosol connaissance que nous-mêmes n'a pas d'argent ensemble avec vous, qui permet que vous-même, ou fait l'argent la caillou avec téléphone ou du moins ordinateur ou Daily Cash qui permet un pile dans un menu qui habitue suivre nous sur YouTube. Eh bien, déjà fait l'argent, ou même qui en Haïti, tout capable de participer ensemble avec nous, ou pas besoin nécessairement la diaspora, ou du moins, y a l'autre côté qui est très spécial, ou du moins aux États-Unis, ou qu'à n'importe côté, ou capable de faire l'argent ensemble avec nous. Guys, Daily Cash. Dans Daily Cash, jeudi, on a présenté une application ça, qu'on est capable d'installer sur le téléphone, qui permet que ou même, on est capable de faire entre 5 à 100 dollars. Par jour, l'en jouer seulement. Application ça qui parle l'autre qui est Cashy. Ils ont application qui download plus de 5 millions de fois déjà sur Google Play. Et lui-même, il y a une possibilité pour jouer. Et puis, il y a un nombre de temps à jouer. Et puis, pendant que vous-même avez joué, vous êtes capable de faire l'argent ensemble avec eux. Donc, si vous regardez bien, Cashy, il y a comme ça C-A-S-H-Y-Y. Lorsque là dedans, on vient pour choisir une mission, l'on finit inscrit, l'on finit choisir mission, on est capable de jouer pendant un nombre de temps. Par exemple, là, il demande pour jouer Cash Empire pendant 5 minutes. Une fois 5 minutes accompli, il fait 5 dollars et pendant la journée, là, il fait 20 dollars, il voit sur compte PayPal. Li. Donc, compte PayPal, il toujours dit nous ça et il est très facile pour installer ou même ou mettre en Haïti ou installer compte PayPal ou mettre ici aux États-Unis ou installer compte PayPal ou gagner compte PayPal sans coupon pour gain social et n'a fait vidéo pour nous montrer qui gens pour installer pour gagner compte PayPal ou ici aux États-Unis sans pour que ou même capable commencer brasser l'argent et peut-être faire comme donc Cashian c'est application ça que en pile monde a parlé de lui et moi-même j'étais tombé sur lui moi essayé lui lui marchait très bien ou même ou capable toujours aller download lui pour que ou même ou essayer plusieurs missions que ou gagne yo et automatiquement qu'on passe mission yo ou capable joindre comme sous PayPal ou capable recevoir tout sur Amazon tout c'est toute fois préféré ou capable recevoir en temps en forme de gift card sur Amazon et gain l'autre moyen tout Xbox Sephora Apple etc qui c'est façon qu'on capable convertir l'argent qu'on fait sous Cashy. Alright guys, so allez kounya essayez li testez li et bien nadin ça nous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. M'a dit merci déjà à tout le monde qui te rend l'émission ça possible jeudi. On a salué sponsor yo et on a salué tout PDG Gilbert Fortil, DG nous Jerry Philidor ensemble avec caméraman Thierry metteur en ordre nous équipe maquillage avec styliste qui toujours rete ensemble avec nous qui fait nous-mêmes nous bien camper j'aime toujours bien camper là et chef production méchant Wedson Vilsan qui toujours branché avec toute staff radio avec au même tout qui la GMD la Good Morning Diaspora Nation qui permet que show ça possible qui permet que nous-mêmes nous rentrer la caillou et faut passer une très belle matinée. Donc c'était tout pour aujourd'hui, restez suivre cette programmation radio NDL sur YouTube avec Facebook. Quant à nous-mêmes, on apprend demain pour l'autre show.